Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser un plat, galette de pommes de terre, carottes sans œufs. Pour 4 personnes, 15 minutes de préparation, 6 minutes de cuisson. Voici les ingrédients. Un petit peu d'herbe de Provence, du sel, du poivre, 3 pommes de terre, 3 carottes. De l'huile d'olive pour la poêle. Ces galettes de pommes de terre et carottes sans œufs vous permettront de changer de votre recette classique et sont un excellent moyen de faire manger des légumes aux enfants. Sans œufs, elles conviennent à tous les gourmands, même aux personnes végétaliennes. Rapides et faciles à préparer, elles sont parfaites pour accompagner vos plats de viande si vous voulez, ou de poisson. Nous sommes certains que vous avez tout ce qu'il faut dans vos placards pour les réaliser. Vous pouvez les manger tels quels, sans viande, sans poisson. Allez, nous allons commencer la recette. Étape 1. Éplucher les pommes de terre et les carottes. Les laver. Et râper le tout et placer dans un saladier. C'est un saladier là, je vais les laver, je vais les éplucher déjà, après les laver et les râper. Voici les légumes râpés, carottes et pommes de terre. Maintenant, mettre un peu de herbe de Provence, du sel, du poivre et mélanger le tout. Voici tous les ingrédients mélangés. Maintenant, verser de l'huile d'olive dans une poêle et faire chauffer. Lorsque l'huile est bien chaude, prélevez un peu de légumes râpés avec une cuillère à soupe et disposez-les dans la poêle de façon à former une galette. Faire cuire 3 minutes de chaque côté. Je vous montrerai comment faire. Voici la poêle qui est bien chaude avec l'huile d'olive. Maintenant, prendre voici les galettes de légumes dans la poêle. Laissez-les cuire 3 minutes et les retourner et les faire recuire 3 minutes de côté. Et après, les mettre dans une assiette. Et recommencer jusqu'à temps qu'il n'y a plus de préparation. Voici les galettes bien cuites. Les mettre dans une assiette et recommencer jusqu'à temps qu'il n'y a plus de préparation.
Voici les galettes finies. Bon appétit à tous.